Hop. Tac. Salut YouTube, on se retrouve pour le début de Let's Play sur Doom. Doom 2016. Alors, le dernier Doom en date avant Doom Eternal qui sort l'année prochaine, donc en 2019. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est en 2019. Ou ils l'ont pas annoncé. Je sais plus s'ils avaient annoncé une date de sortie pour Doom Eternal. Je ne sais plus. Mais bon, en tout cas, on va se faire ce Doom. Il a l'air excellent, hein. Quand il était sorti, ça avait créé un chaos monstrueux parmi les joueurs, tellement il était bon. Parce qu'en fait, ce jeu, il y a tellement d'action que vous vous ennuyez jamais. Il y a toujours de l'adrénaline, du massacre et du sang. D'où mon titre d'ailleurs pour le live. Alors, je me suis juste posé une question. C'est, est-ce que j'y joue clavier ou à la manette? Pourquoi il y a un effet bizarre? Mais pourquoi il y a un effet bizarre? Attendez, je vais remettre le jeu. J'ai l'impression qu'il y a un effet bizarre. En fait, Steam est lancé ou pas? Ouais, Steam est lancé. C'est étrange. Bon, on va mettre Doom, hein, c'est pas grave. On va le relancer. Ah, mais même la capture... la capture a bugué chez vous. Pourquoi? Non, je m'en fous. Je la lirai tout à l'heure. Ce soir. Garde-la à côté de toi, je la lirai ce soir. Tu veux? Non, parce que je viens de recevoir une lettre apparemment. J'ai même pas vu de qui c'est. Ça va venir du chute, ça. Alors, est-ce que je peux avoir accès à mes paramètres? Ah, mais c'est bizarre. En plus, c'est bugué chez vous. C'est bugué chez vous. Réunion aux performances, bah non. Mais qu'est-ce que... Ah. Et je peux pas avoir accès à mon menu Steam, pourquoi? Pourquoi Steam c'est de la merde? Bon. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Attendez. Hop, si je fais ça. Voilà. Là on est d'accord, c'est fluide, hein. Ouais, c'est bon. C'est un update de Doom. Ça se trouve c'est le même bug que j'avais avant. C'est peut-être de la synchro verticale ou un truc dans le genre. Attendez. Nouvel emplacement. Excuse-moi YouTube, hein. Je préfère régler le souci maintenant que ça soit pendant. Alors c'est où? En fait, la synchro verticale, on va la désactiver. Et là, normalement, ça devrait être meilleur. Voilà, j'ai désactivé la synchro verticale. Ici, tout est en ultra, ok. On peut y aller. Vas-y, on peut y aller! Ça va secouer un max! C'est parti. Alors déjà, on va pas aller en cauchemar ou ultra cauchemar, hein. C'est mort. Je vais jamais m'en sortir. Alors, Bleuzeye, si vous préférez un rythme de jeu moins soutenu, en combat vous aurez des chances de... vous aurez de grandes chances de succès. Votre partie aura tout de même son lot de défis, mais cette difficulté vous aidera à garder une pression artérielle stable. Alors d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait moyen, en fait, de vous montrer notre pression. Notre tension, en fait, notre tension artérielle, sur le live. J'avais vu ça à un moment, je sais plus quand. Je crois que c'était au The Event que j'avais vu ça. Et du coup, ça pourrait être marrant sur ce jeu comme ça, à faire « Tiens, vas-y !» On vous met la pression. Je sais vous écouter si vous voulez jouer au jeu sans aucun ajustement. Pour survivre, vous devrez faire preuve de précision, d'agressivité et de sens ultra-violence. Vous écoutez testera vos réflexes et votre sens de l'observation et votre chemin vers la gloire sera déterminé par votre utilisation des outils appropriés. Il y a moins de didacticiens. Non, mais... Fais-moi mal. Allons-y en normal. Alors, je pense que le son est good, mais je le réglerai quand même pendant la cinématique. Et vous marcherez éternellement dans les royaumes des ombres, vous tenant debout contre le mal là où les autres ont échoué, que votre soif de vengeance ne tarie jamais, que le sang sur votre épée ne cesse jamais, et que nous n'ayons plus jamais besoin de vous. Korak chapitre 7, verset 17. Geronimo. Ils sont enragés, brutaux, impitoyables, sans merci. Mais vous, vous serez bien pire. L'éradication, c'est ça votre credo. Ah, le credo, ça me dit quelque chose. Ah.
Oh, ça commence du sang! Des marques bizarres sur mon bras. Je me sens bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et paf. Et c'est la double, le double headshot. Ouais, ok. J'ai un flingue. Et il est chinois. Ou japonais. Ah, c'est marrant. Quand je vise, ça fait quelque chose de plus. Bon bah du coup, hop. Alors, du coup, ouais, je pense qu'on va jouer au clavier souris. Alors, faut juste que je regarde un truc, c'est au niveau des commandes. Clavier souris, commandes. Est-ce que je peux régler un truc en plus? S'accroupir. Mettre ça sur mon bouton souris. Est-ce qu'il y a une grenade? Glory kill d'ailleurs, d'accord. Équipement, utiliser E. Ça me paraît plutôt cool. Ponçonneuse, ok. Fusil à plasma, d'accord. Il y a pas la grenade? Ou un truc que je puisse utiliser? Ah, la roue des armes. Bon, on va le mettre là. Mettre sur le bouton là. C'est parfait. Hop, ça m'a l'air bien. Et du coup, hop. Et la roue des armes, bah je l'ai pas encore, pardon. Alors qu'est-ce qui se passe? J'ai l'air d'avoir munitions infinies, bizarrement. Ah, le jeu est tellement fluide. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des soucis. Yo, d'où mon ultra, quoi? Oh. Bah. Oula! Oula! Oh. Quoi c'est? Bah, j'ai plus accès. Et... qu'est-ce que c'est que cette bite? Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai plus accès. J'ai plus accès. Oula. Mais ma souris fait n'importe quoi. Hein? Et c'est... bon bah retour au menu. C'est pas grave. Bah j'ai plus accès à rien. Ma souris qui déconne? Ah, c'est ma souris qui déconne! Ah, d'accord! Bon bah, on reprend. C'est parti, continuez. Oups! Ma souris qui a planté, apparemment. C'est nouveau, ça. Ah! Et on est de retour ici. Très bien. Alors du coup, là ça brille. Là ça brille. Appuyez sur E. Il va falloir reprendre le contrôle. Le contrôle. Donc là c'est où j'étais. J'étais là-dedans. Bien. Emprisonné. Lecture terminée. Rapport au bureau de sécurité. Priorité augmentée suite au décès ou démembrement d'un employé. Utilisateur Kianji. Classer le dossier à la station d'analyse. D'accord. Il y a une armure. Oh. Et il y a de la déco. Oh. Ouh, ça me plaît. Welcome to hell. Calibration terminée. Alors. Ah bah non, c'est pas fini. Ok. Donc il y a un problème d'antenne. On n'a pas la réception. Impossible de déterminer la cause de l'invasion démoniaque tant que le satellite des opérations sur ressources n'est pas réactivé. Ok. Bienvenue.
Je suis le docteur Sam Leiden. Je dirige cette station. Très bien. Bonjour, Sam. Nous devrions pouvoir trouver un terrain d'entente pour résoudre ce problème ensemble. D'accord, moi je lui bats les couilles. Entrée du Codex Actis, artefact. L'armure prêteur. Un peu URSC, machin. Très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Jeton armure prédateur. L'onglet armure prêteur. Pourquoi je dis prédateur? Vous permet d'améliorer de nombreuses caractéristiques de l'armure. Ici, vous pouvez dépenser des jetons en amélioration disponible et consulter les conditions requises pour débloquer les catégories restantes. Ok. Point d'amélioration d'armes. Affiche le module et armes disponibles. Sur cet écran, vous pouvez dépenser des points d'amélioration d'armes pour améliorer vos modules et suivre votre progression de la maîtrise des armes. Bon, là, j'ai pas de points pour l'instant. Très bien. Ça me paraît logique. J'ai déjà tué 6 ennemis. Ah d'accord, mission illimitée. En effet. Oula. Hein? D'accord. C'est quoi ça? C'est... Rien d'attaque chargée. Ah bah je l'ai tué. J'aurais peut-être pas dû le tuer. Glory Kill. Infliger des dégâts aux démons pour les étourdir. Ce qui est indiqué... J'ai même pas eu le temps de lire. Attendez, il faut comme ça, pour voir. Bichit. Ils ont perdu les os. Et en fin de compte, je sais sur quoi je vais mettre le clic molette. Le corps à corps, glory kill. On va mettre ça sur le bouton 3. Ah, il affecte à quoi? Souris 3, utiliser l'équipement. Ah ouais. Oh, lui il avait encore sa jambe qui tournait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un pont? Donne-moi ça! C'est un shotgun. D'accord. Oh! J'ai que 19 balles. C'est un diablotin. L'enfer est infesté de ces démons féroces et agiles. C'est agile. Souvent envoyés au front pour une attaque concertée dans l'une ou l'autre des dimensions. Ils ne vivent que pour le combat, dévorant leurs victimes lorsque la faim les étreint. Ah, mais il y a encore ce bug. Tout va bien. Je gère. Voilà. Rien ne va aujourd'hui. Ouh. Pas silencieux ce truc. Ah c'est raté. Ah non c'est pas ça. Je suis bourré. F. C'est que ce machin. C'est sur E. D'accord, je vais retirer un truc. Niago. Bonk. Comme un naze. Bonk. Oh, il y a des plaques d'armure. Trois cartouches.
Blum. Ah! Bah, je suis déjà mort. Je suis déjà mort! Ah, énorme! Je suis déjà mort. Ça, je dois avouer que je m'y attendais pas du tout. Alors, attendez, moi, je voudrais faire un truc, c'est. Voilà, virer ce machin. Du coup, j'avais ouvert un truc sans faire exprès. Hop! Et ben, il y en a pas de passage. Ah, il faut vraiment que je sois dans le jeu à 100 à l'heure. Doom! Ok. Faut juste que je fasse un truc. C'est. Quand même changer les commandes et mettre le glory kill sur ce truc là. Voilà. Dans mes murs. Allez, c'est parti. Là, je le sens bien. Bonk. Alors du coup, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de... La carte, ok. Ça, c'est la map, très bien. Les défis. Verrouiller. D'accord, on y va. Oh, on peut les one-shot. Ah, parfait. Boum. Poupouploum. Tsou. Je t'ai vu. Tu vas mourir. Bonk. Pas encore à droit. Mais ça va venir. Oh, cool, ça m'a téléporté. Mission faible. Merci pour les balles. Aïe. Ou Ned. Détruire le Niag. C'est fait. Fin du verrouillage. Prendre la vie. Là, il y a plein de bastos. Sachant que le pistolet a mun infini, donc ça peut servir en cas de. En cas de pépin. Intéressant tout ça. On ne peut pas le laisser quitter cet endroit. Il pourrait tout compromettre. Donc je pense que c'est l'ennemi numéro 1. Je suis pas sûr. Allons-y. Loup. J'assume l'entière responsabilité des atrocités de ces dernières 24 heures. Comprenez toutefois que l'intérêt que nous portions à leur monde n'avait pour seul objectif que l'amélioration de l'humanité. Il apparaît qu'aujourd'hui que nous avons perdu. En effet, mais le risque en valait la peine, croyez-moi. Bonk. C'est excellent comme intro. Pour vous introduire un jeu, c'est excellent. J'adore. Alors, accès aux opérations, carte mise à jour. Appuyez sur Tab. Ok. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Là, il y a des drones de terrain, garde d'élite. Ok. Et si je fais Alt gauche? D'accord, ça m'affiche l'objectif pour savoir où je dois aller. Très bien. Il y a de l'armure en dessous. Compensation d'impact. Très bien. On va pas prendre de dégâts de chute. J'ai bien compris. C'est quoi ça? Nanana.
Ok, donc on est sur Mars. Très bien. J'ai pas le temps. Ah ! J'ai raté. Pas de, de diablotin. Par contre, il y a des logos. Hein. Ah, c'est marrant, il y avait les cartouches par terre. Ça, ça va être des employés. Il est fort le son du jeu, je trouve. Insane. Bon, bah, quand faut y aller. T'es quoi toi? Quoi que j'oublie mon cac. Bonk. Bloom. Ils sont toujours sympas les Glorikis. Une patate. Oh toi. Je vais essayer de le bourrer au cac. Il est où? Il balance des grosses boulettes. Meurs. Il en reste encore? Ah oui. Est-ce qu'il y a un truc dans le coin? J'ai pas l'impression que, si j'ai bien compris, il y a des collectibles, comme vous voulez, qui vont nous permettre d'améliorer notre perso et aussi nos armes. Du coup, ce serait bête de passer à côté. Mais sinon, je pense qu'il y en a peut-être pas pour l'instant. On va voir. Trouver la carte bleue. La carte au bleu. Carte au bleu. Oh, c'est quoi ça? Il y a un truc là-haut. Ah, lui, il a la carte bleue. Il a la CB. Merci. Carte bleue acquise. Qu'est-ce que c'est ça? Secret trouvé. Avec les vieilles musiques de Doom. Ok. Modèle de shotgun, Doomguy bleu. Dans le menu objet collection. Chaque objet trouvé débloque un modèle consultable depuis le menu objet de collection. Essayez de les trouver. Marrant. Oups. On va tomber. Tant pis. On peut pas. Non, on peut pas sprint. Il court tout seul maintenant. Non, c'est bon. Bizarre. Bon, c'est peut-être un bug passager. En tout cas, je l'espère. Donc, ça va être problématique. Alors, du coup, j'ai la carte bleue. Accès autorisé. Des grenades. Alors. Équipement. Appuyez sur contrôle gauche pour utiliser un équipement à portée de main. Les équipements ont un temps de recharge qui doit être respecté avant de pouvoir les utiliser à nouveau. Bon, il y a un cooldown, d'accord.
L'équipement peut être amélioré en renforçant l'armure prédateur. Et donc là, du coup, j'ai ceci. Et les grenades. Charge éclair, stock, charge rapide. Très bien. Ah, c'est contrôle! Ça va pas être simple. Quoi que j'ai sur Mousecat? Qu'est-ce que j'ai sur Mousecat? Accroupir. Alors, souris 5, changer d'arme, route sélection. Hop. Donc, tu laisses sur A. A. Et l'équipement qui doit être sur contrôle gauche, je vais le mettre là. Voilà. Ça sera un peu plus cool quand même. Comme ça, dès que j'ai besoin. Hop. Ah, mais non, il faut le temps qu'elle se recharge. Alors, je suis au max, ok, c'est parti. Saloperie. Ok, il y a que des ombres. Oh, je l'ai frappé avec son bras. Énorme. Donc du coup, on est sur Mars. La petite planète rouge. Et ils essayaient donc d'extraire de l'argent. Pouf. Hop. Égoise. Technologie de cartographie. Carte téléchargée. C'est quoi ça? Une carte? Donc c'est la carte que je viens de récupérer, si j'ai bien compris. Attends. Quoi ça? C'est-à-dire quoi ça, orange? Voilà, donc... Ok, donc c'est le premier journal que j'ai trouvé. Ok, donc si j'ai bien compris, quand c'est en orange, ça veut dire que je l'ai récupéré. Ok. Très bien. Bon, bah c'est reparti. Hein. On va défoncer des gens. Oh, c'est quoi ça? Après sa disquette. Ah, c'est un jeton! D'accord, c'est un jeton. Donc, résistance à l'environnement, technologie cartographie, système d'équipement, et après, il y a autre chose. Technologie cartographie, c'est quoi? Détection d'objets. Avec un rayon plus grand. La boussole émet une pulsation à ce que vous trouvez. Nanana. Les éléments d'exploration apparaissent automatiquement sur la carte. Ah oui, quand même. Ça, c'est quoi? Résistance à l'environnement. Protection du danger. Diminution des dégâts infligés à soi-même. Immunité aux dégâts des barils explosifs. Très bien. Et ça, c'est quoi? Augmente le nombre de charges de l'équipement. Réduit encore davantage le temps de recharge de l'équipement. Ah, ça, tu peux enchaîner. Honnêtement, j'irai bien sur la cartographie. Hop. C'est quoi pour s'en aller? Retour. Hop. Et voilà. Bonk. Il est où l'autre? Là. En tout cas, l'armure, ça part rapidement. Hein. Je me suis pris juste une patte. C'est que ce drone? C'est un drone. Ouh! De l'armure. L'armure, on aime. Et y a rien d'autre. Est-ce que j'ai oublié un truc? Apparemment, non. Ah ça va, c'est les one shot. Oh, lui il a explosé carrément. Oh oui,
Bonk. Pas de contrôle atteint. Okay. Y'a un truc là-bas, je le sens. Y'a de la vie, des balles. Des balles, on aime ça. Ça, ça sert à rien. Apparemment, non. Bon, du coup, j'avais le bon chemin. si je monte là-dessus, ça marche ? Hein ? Ah non. J'ai cru que j'étais softlock. Ah, vas-y. Ah putain. Et il s'est fait arracher le bras. Et le drone est là. Qu'est-ce que c'est que ce drone? Les drones de terrain vous fournissent des modules d'armes activables dans la commande. Choisissez un module pour le monter sur votre arme. Utilisez des points d'amélioration d'armes pour renforcer leurs effets. Alors, rafale à compression. Maintenant, clic droit. Le module d'arme permet de charger une rafale de 3 tirs plus concentrés. Ah oui. Et le tir explosif. On désingue quelqu'un. Oh bah le tir explosif. Drôle. Bonk. Le tir explosif, c'est plus drôle. Et paf. Ok. La suite est par là. Apparemment. On va peut-être pouvoir le tester. Pas mal. Paf le bras. Oh! Juste une mine explosive et on peut l'achever. Marrant ça. Oh! Santé basse. Oups. Ah, il donne masse de vie. On leur fait un petit glory kill. Ça donne brasse. Y'a quoi ici? Y'a rien en fait. Bonk. Oh, je l'ai raté. Alors en fait ce jeu il demande masse de précision. En fait c'est le temps que je m'habitue à la sensi je pense. Bon je la modifierai. Mais c'est vrai que j'ai mes grenades aussi, je les utilise pas. Oui, t'es rouge. Ah, y'a un truc. Y'a une grotte. Oh! Ah, bah, du coup, j'ai un point d'amélioration d'armes parce que j'ai trouvé des secrets. Cool! Alors. Le pistolet. Légèreté. Ouais. C'est quoi ça? Au boom. Charge instantanée. C'est-à-dire qu'on peut bourrer ? Augmente la taille de l'explosion. Réduit le temps de chargement entre les tirs explosifs. Supprime le temps de chargement. Donc en fait, ça sert à rien. On va prendre ça. Voilà. Parfait.
Ah si, quand même, oui, ok. C'est juste que... on veut l'utiliser, hop. On a une charge instantanée. Très bien. Ce qui est plutôt cool. C'est d'où je viens. C'est par ici, la suite. Ta-da-da-da. Oh, j'ai failli tomber. C'est quoi ça? Ok. Ouais, j'avais pas vu tout ça. Il est mort? Il était pas mort. Pas simple, mais pas impossible. Mais non, là c'est d'où je viens. Mongolo. Wow. Qui m'a tiré dessus? Ticon. Tibétaire. C'est quoi ça? On bourre. Pourquoi? Je le tapais pas. T'es un meurt. Il faut des balles, il faut des cartouches. Il faut des cartouches. Pourquoi il a pas ramassé la vie? Ah c'est bon. Cartouche. D'accord. Oh. Oh, j'ai raté. Wow. Pas mal. Il reste plus que la colonne vertébrale. Je sens qu'il y a des trucs dans le coin. Alors, on va augmenter un peu le son, quand même. Hein, on veut de l'explosif. De l'armure. Ça, c'est cassé, il y a le feu. Très bien. Et... je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a quelque chose dans le coin. Genre, là. Non. Une grenade. Et on voit... ouais. Non, bah, faut juste monter, apparemment. Hop. Yep. Il y a quelque chose au bout des rails. Ça se trouve, il y a peut-être un loot. Oh. Grosse plaque d'armure. C'est vraiment parce qu'on me dit que je peux retourner en arrière. Ah non, ok, je connais. Je crois que c'était un chemin que je connaissais pas. Je n'ai rien dit. Du coup, faut que je remonte. Par ici. Hop. Et puis, c'est parti. Au max d'armure. Oh. Bonjour. Nous comptons à présent deux. Un toaster. Un toaster holographique. D'accord. Donc il m'a juste souhaité la bienvenue. Bien. Dieu s'est reposé le septième jour. Mais imaginez où nous en serions s'il avait poursuivi son œuvre. L'UAC aspire à l'excellence. Voilà pourquoi nous avons instauré la semaine de 7 jours. Vous allez accomplir de grandes choses avec vos coéquipiers. Ne nous arrêtons jamais. Ils ont instauré la semaine de 7 jours de travail. N'importe quoi. Ah, quittez le lieu. Ok. Ah, il y avait d'autres trucs à trouver ?
Ah, j'aurais loupé un secret apparemment. Bon bah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer de trouver un maximum de trucs, mais on va pas faire exprès de chercher tout. Même si bon, c'est vrai que ça donne pas mal de jetons. Bah, ça donne pas mal de jetons. Ça pourrait donner pas mal de jetons pour améliorer nos armes. Ça pourrait être cool. Connaître l'ennemi. Ok. Bonjour. Merde. Je suis Vega, l'intelligence artificielle de la station martienne. Bonsoir. Après avoir réalisé un diagnostic de l'armure Praetor, il apparaît que je peux activer des défis optionnels qui, une fois terminés, permettront d'améliorer votre arsenal plus rapidement. J'ai ajouté un composant de suivi à votre dossier. Alors, les défis de mission sont activés à l'ouverture de la mission. Réussissez-les pour obtenir des points d'amélioration d'armes. Allez dans l'onglet mission du dossier pour connaître les conditions de la progression. Alors, voyons voir. D'une pierre deux coups, tuez deux possédés d'un coup avec le shotgun. Effectuez 5 glory kills différents. Deux. D'accord. Sur des possédés. Les possédés, c'est quoi? C'est les zombards normaux. Grand explorateur, trouvez 3 secrets. Bon, ça a pas l'air compliqué. Alimentation principale déconnectée. Toutes les entrées sont hors service. En voilà 2. On fait deux avec le shotgun. Comme ça. Ah bah c'est bon. Et c'était quoi l'autre truc? Retro secret. Oh la saloperie. Bah ouais. Encore? En tout cas, j'ai réussi un défi. Ah oui, d'accord. C'est coincé. Ça, on peut l'utiliser. Très bien. Je suis censé aller où? Je suis censé aller là. Par là, il y a quoi? Ah, ça, je peux pas l'utiliser. Mais c'est bon, arrêtez de gueuler! Arrêtez de gueuler! Ah! Ah! 3 sur 5. 4 sur 5. Allez. 5 sur 5. Et bonk. Ouf! L'animation principale déconnectée. Toutes les entrées sont hors service. Alors, réalimente. Pas question de vous mentir, en particulier aujourd'hui, tandis que vous allez connaître vos toutes dernières heures en ce monde. Toutes les rumeurs, tous ces sacrifices humains, le portail infernal et les démons. Malheureusement, tout est vrai. Mes chères sœurs et mes chers frères, soyez heureux. Vous serez les premiers. Vous serez assis à leur côté, au même titre que moi, dans ce tout nouveau monde qu'ils sont en train de concevoir rien que pour nous. Aujourd'hui et maintenant. C'est complètement fait laver le cerveau, en fait. C'est ça, le truc. Ah, il y a Vega, là. Vega? Non, t'as pas envie de me parler? Bon. On a rétabli l'antenne. Maintenant, il faut l'aligner. Il faut l'aligner. Il n'est pas question de vous mentir. D'accord, ça le remet. En particulier aujourd'hui. Allons-y. Tandis que vous allez connaître vos toutes la dernières carte. Heures en ce monde. Bien. Toutes les rumeurs, tous ces sacrifices. Oh, ça a l'air gigantesque. Le portail. Il n'est pas question de vous mentir. Là, on peut y aller ou quoi? Toujours pas. Bon, bah, utilisons le panneau. Hein. Ouvrir. S'ils ont à s'exciter. Vous serez assis à leur côté, au même titre que moi, dans ce tout nouveau monde qu'ils sont en train de concevoir rien que pour nous. Aujourd'hui et maintenant.
pas où. Il n'est pas question de vous mentir. En particulier... D'accord, en fait, ils vont vraiment passer le message en boucle. Aïe. Mes chères sœurs et mes chers frères, soyez vous. Vous serez là. Vous serez assis à leur côté, au même titre que moi, dans sur tout le monde. Ils sont en train de concevoir rien que pour nous. Aujourd'hui et maintenant. C'est bon. Donc là, il y a une porte à utiliser, mais je suis censé aller où? Ah non, d'accord. Ça, c'est un cul-de-sac. Donc c'est par là. Il n'est pas question. Ok. Y'a rien, hein. Ouais. En particulier aujourd'hui. Wow. D'accord. Les ingénieurs possédés. Plouf. Présent démoniaque à des niveaux non sécurisés. Ah merde. Verrouillage actif. Oh. Ah. Meurs. Ah c'est bien, il faut juste un coup. Ned. J'adore. Ouf. Intrusion démoniaque terminée. Nice. Fin du verrouillage. Ah oui, un écho là. Alors, qu'est-ce que c'est? Ok. Ok, ok. À mon avis, là, c'est la mort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça mérite un Doom sur 20. C'est ça. Doom sur 20. Mais il y en a qui l'ont déjà fait, en plus, ce coup-là. Le Doom sur 20, il me semble. Bien sur E. Oh. Oh, énorme. On peut monter. On peut pas y aller. Ah, c'était juste pour ça? Oh, j'ai cru au petit secret ou quoi? Pas du tout. Il est capable. Oh, le con. Bravo. Merde, je suis pas le first qui connaisse Benzaï. Ah non. Je connais bien Benzaï. Pas personnellement, mais... Mais je le connais. En tant que référence. Mais du coup, ça sert à rien que je remonte là-haut. Oui, mais bon, on va appuyer sur le bouton pour le lols. Parfait. On a ici... la vie... Ah, y a pas d'armure. Bon, tant pis. C'est... Ouh ! Énorme. Chaque année, nous nous attachons à recruter que l'élite des candidats. À m'appeler Algersus Evil Dead. Comment tu vas, Sokobra ? Bah ça va et toi, Torbof ? Torholf, pardon. J'ai cligné des yeux quand j'ai lu ton pseudo. C'est pour ça que j'ai vu un B au lieu d'un H. Alors, c'est une arme spéciale à laquelle vous pouvez accéder en appuyant sur G. Sur G. Nécessite du carburant. Bon, normal. Plus le démon est gros, plus la quantité requise est importante. Vous obtiendrez des munitions en plus si vous tuez un démon avec la tronçonneuse. Ah, c'est sympa. C'est cool.
Ça va, ça va. Bah, c'est cool alors. On approche de Noël. Hein. On vide le chocolat. Ou on en reçoit, ça dépend. Et le monde compte sur nous. Il y en a qui ont bien fait la technique d'avoir 5 calendriers de l'Avent pour avoir 5 fois plus de chocolat. Oh oh. Ouf. Meuf. Il est pas part, quoi. Pourquoi je suis beau shotgun? J'ai enfer. Aïe. Ah mais c'est parce que j'avais lui à côté, d'accord. Ouh. Meurs. Et bah c'est bon. Hein? Quoi? Bah, elle s'est bien ouverte, non? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je l'ai vu s'ouvrir? Et en fin de compte, non. Ok, faut que je trouve un moyen de... Accès refusé. Autorisation de niveau jaune demandé. Mais c'est la maison qui rend fou. On avait déjà la carte bleue tout à l'heure. Là, faut la carte jaune. Va falloir s'adresser au bureau 1, guichet 37, couloir B, historique K. D'accord. Ah, il me faut un zombard. C'est ça? Pour... C'est quoi ça? Oh, y'a de l'armure! Oh, y'a des trucs! Ouh. Allons par là. Alors, on a dit quoi? C'était G? C'était G. De la vie. Faut que j'aille là-dedans? Ok. D'accord. Pourquoi pas? Prenons les petits passages. On peut courir? Ah oui, on peut courir, d'accord. On est pas très grand, alors. On est pas très grand. Ou sinon, c'est qu'il... Il slide sur ses genoux. Un peu comme un Tenacious D. Power slide! Ah, c'est gueule. Bonk. Ça va me tuer ça? J'ai pas envie de tenter le coup. Ok, y'a de la vie. Oui, oui, j'arrive! C'est les cadeaux! Ou le charbon. Ça marche aussi. Bonk. Ah mais non, je devais en garder en vie. Oh merde. Je devais en garder en vie, je crois. J'ai raté. De l'armure, de l'armure, de l'armure. Donnez-moi de l'armure. Ok. Igoise. D'accord. Un autre passage. Accès refusé. Autorisation de niveau jaune demandé. Tu testes pas la fameuse tronceau? Bah, en fait, pour moi, comme c'est une arme spéciale, j'ai peur que les. Bah, le carburant soit assez rare. Donc, du coup, je veux le garder quand même pour un gros truc. Et après, pourquoi pas l'essayer? Il y avait de l'essence à côté. On va l'essayer. Oups. Vous avez laissé passer à 38? Il y a eu du carbu, il me semble. Ouais. Il y avait du carbu à côté. Oh. Oh. Paf, ton bras. Et ton chocolat! Ah, oh, il meurt pas. What the fuck? D'accord. Ça marche aussi. C'est quoi? Un verrouillé, ok. Donc faut défoncer la couille démoniaque, très bien. Paf! Donc tronçonneuse! On a dit tronçonneuse! C'est le moment!
Ah oui, d'accord, c'est énormément de munitions. J'ai plus de balles. Bonsoir. Ouf. Des bastos, des bastos. Hein? Ouf. Mais il m'envoie des tonneaux et tout. Là, c'est un bon Doom. En effet. Oh. Us. Aïe. Ah, santé faible. Au secours. Au secours. Je peux pas mourir. Après tout ce que j'ai fait. Mais t'as pleu. Au secours. Oh. Ah bah génial. Mais tu vas la prendre ta tarte. Voilà. Bof. Oh, on a vu sa cervelle. Regarde, sa cervelle sur le sol. Tiens, ton bras. Là, il y a des bouts. Il y a un bout de cervelle. Encore? Ah oui. Bof. Intrusion démoniaque. Je te connais. Ah. Fin du verrouillage. Beaucoup de gens me connaissent. Non, je plaisante. Mais c'est toujours rigolo quand quelqu'un dit hey, mais je te connais. Ah. Alors d'où? Donne-moi un indice. Faisons une énigme perforas. Et je vais essayer de deviner. Voilà. J'aime bien galérer. Hop. En tout cas, qu'est-ce que tu me dis est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. En effet. La bolden exotique, le jacuzzi. On appelle cela le jacuzzi. Non, ça c'est pour autre chose, le jacuzzi. Mais oui, en effet. Botlane exotique, oui. Mm-hmm. Oui. Pour l'instant, t'as bon, niveau de... Niveau de League of Legends avec... Le nom de mon compte secondaire. Oui. Ah, je peux acheter un autre truc. Eh ben, rafale à compression. Pouf. Et comment je change? Comment je change? C'est R? Ah, c'est R, voilà. Oui. Oui, oui, oui. Oui, Thomas, qu'est-ce qu'il y a? Il s'appelle Whis Slater, oui. Ça fait longtemps. Oui. Bonsoir. Ah, même une bof, tu vois. Lol. Ah oui, d'accord, c'est... Grosse chose, quand même. Oui. D'accord. Hein? Ou Ned. Mhm. D'accord. Jusque là je suis. Ah mais en fait j'aurais peut-être pu passer par le conduit que j'avais vu. Accès que... ouais. Accordé. Accès accordé. Il y avait un autre passage avec un accès jaune. Je sais plus où. Là, comment on arrive là? Oh! Il y a un truc on peut arriver par en haut. Ah, ça me donne des idées. Oui. En effet. Ah, c'est toi, Victor. Attends, attends. Old Berserker Thor. Ça rime, hein, techniquement. C'est toi, voilà. Désolé, hein. Pensez à Doom, hein. Poup, poup, poup. Mais en fait, pour être franc, ça faisait 3 minutes que j'avais déjà compris que c'était toi.
C'est juste que j'étais concentré sur ce que je faisais. Et en plus, t'étais déjà passé sur un mail live, mais c'était il y a super longtemps. Il me semble. C'était il y a super longtemps que t'étais passé. Bah, je crois que c'était sur LOL. Non, c'était sur un autre jeu. Je sais plus lequel. PUBG. Ah, c'était PUBG. Qu'est-ce que je faisais à ce moment-là? Oh, ça remonte à loin, PUBG. Qu'est-ce que je fais? Je tourne around. J'allais là-dedans. Non, là je tourne en rond, ça va pas. Quoique. De la vie. Voilà. Ah, ça donne que 5 ces trucs-là? Ah oui, ça donne pas beaucoup. Des problématiques. Donc là, on peut y aller. On part là. Bienvenue dans la station martienne de l'UAC. Située dans l'immense bassin d'impact de Hellas Planitia. Ce site d'excavation et de recherche. Tiens donc, une mitraillette. C'est une batteuse. En tant qu'employé dévoué, votre ça me plaît ça. Bon, y a un peu de sang dessus, mais ça va le faire. C'est un engagement pour comment tu vas depuis le temps? Bon, ça va. Toujours dans le stream. Hein. Ça va faire maintenant plus d'1 an. Bah, ça fait 1 an il y a 1 mois. Je suis devenu streamer. Ça va, super cool. Hein. Y a des gens qui passent. Y a des fois, on a énormément de monde. Des fois, c'est. Y a pas beaucoup de monde, ça dépend des jours, ça dépend des jeux. Je fais aussi partie du Web TV. Qui diffuse que le week-end. Donc, bah demain et. J'aime bien! Demain, dimanche, je serai sur la Web TV qui s'appelle Jaya France. Tu connais? Ou pas? T'as pas dit que tu connais, hein? Tu... Ça, c'est inconnu, mais c'est toujours drôle quand. On rencontre quelque chose qu'on ne connaît pas et qu'on voit à quel point c'est énorme. Oui. C'est du Web TV à but caritatif. Du coup, en ce moment, tous les fonds qu'on récolte, c'est pour 30 millions d'amis. C'est quoi cette petite bouboule rouge? Putain, la patate. C'est quoi? Berserk. Bim! Ouh! C'est tellement stylé! Oh, c'est trop bien! Viens là, toi! Bof! Sous! Ado? J'arrive au bout. Ouf. Ah, je peux pas tirer par en dessous. Je vois pas du tout la Web TV. Bah, tu verras ce week-end si tu passes. Moi, je stream le matin de 10h à 13h, je fais le morning. Demain, d'ailleurs, on va faire du Sea of Thieves. On est 3 pour l'instant. J'attends la réponse de la quatrième personne. On est tous d'ailleurs bah, membres de la Web TV, ce qui va être cool. Au revoir. Faudra que je regarde sur Discord d'ailleurs s'il m'a répondu. Sinon bah on ira à 3, on improvisera. Oup. Après la Web TV, ça fait combien de temps que j'y suis dessus? Elle a été. Je fais partie des fondateurs, on a commencé en. Regardez, il fait son jogging. On a commencé Alors on l'a créé en juin ou juillet, je sais plus, ça fait longtemps. Mais bon, elle est devenue bien meilleure qu'aujourd'hui. Au début, c'était un truc raccordé vraiment au domaine Jaya. Maintenant, bon, ça s'appelle pour encore Jaya France, mais bientôt on va changer de nom pour vraiment être un truc, comment dire, une organisation à part entière. Voilà, une Web TV à part entière. Le matin, je dors pour te dire, je me couche, il est 5h, voire... En plus, le matin. Ah oui, d'accord. Ah, c'est pas grave. Ah, mais il est énorme, celui-là. Ouf. Adieu, hein.
Et apparemment, ça devait être le dernier. Alors du coup, j'ai rushé comme un bœuf. Mais j'ai pas regardé s'il y avait des trucs. Et donc, je me réveille, il est midi. Ah bah, tu pourras peut-être voir la dernière heure. Et après, c'est pas grave, t'inquiète pas. Au pire, t'auras les rediffs. T'auras les rediffs sur... sur la chaîne. Sur la chaîne de la Jaya. En général, Sea of Thieves, je le recorde pas. Je recorde pas Sea of Thieves, puisque c'est un jeu qui est quand même assez infini. Là, j'ai record... j'ai quand même pris le record de mardi. C'est bon, je verrai. Après, pour tout le reste, bien sûr, t'as ma chaîne YouTube. Pour rappel, hein, quand même, que vous avez toutes les informations concernant le stream en dessous du live. Et pour ceux qui sont sur téléphone, c'est dans la section info. Voilà, on le rappelle quand même. Ok. On a combien de temps de VOD? 1 heure? Ouais. Un petit peu. Oups. Et donc du coup, quand je fais R, je change de module. Ok, c'est cool. Oula, lui il s'est fait arracher. Ah oui, les grenades, je les utilise pas, les grenades. Faut que j'y pense. Il y a un mec, d'accord. Des balles. Il y a un conduit. D'accord, on peut pas péter le conduit. Ok, donc j'ai besoin de ta main. Donne-moi ta main. Voilà. Parfait. Donc du coup, on a réaligné l'antenne. Je bloque votre accès au scanner du site. Venez au terminal Vega, je vous donnerai ce que vous voulez. T'as déjà basé... Ouais, bah pas de soucis, t'inquiète pas. Pas de soucis. Passe quand tu veux. Alors du coup, j'ai vu un truc passer devant la vitre. Et ça, je peux pas l'utiliser alors que c'est vert. Bon, on ressort, hein. Puis on va aller voir ce qu'il en est. D'accord, donc non seulement on a réuni l'antenne, mais ça m'a donné un moyen de passer. Oh, les petits bâtards! Non, tu me l'avais pas dit. Ou peut-être que tu me l'avais dit il y a longtemps. Non, ça me dit rien. Par là. C'est les lupiades vertes. Oh, de l'armure! Oui! Il y a des trucs là! Bon. J'y vais. On va pouvoir faire le tour. Ok, peut-être pas en fait. Comment je pourrais aller là-bas? D'ailleurs, je sais même pas ce qu'il devient, Thomas. T'as des nouvelles, toi? Tu es toujours du côté de Tours, au fait. Ça dépend de quel côté tu veux dire, mais... Plus de Blois. Côté de Blois. De Tours. Tours. Tours, c'est à 1 heure de chez moi, donc... Pas mal plus. Bonk. Pas eu le temps de lui faire un finish. Il était parti au Canada travailler. Ah, il est allé au Canada? Ah, d'accord. Intéressant. Bon, après, il a toujours... il a toujours aimé... comment dire, être libre. Il était jamais cantonné à un seul travail. Du coup, c'est pas très étonnant.
Ah mais non, celui-là je peux les tuer à la main. Angolo. Santé faible. Il a dû me mettre une de ses patates. Énorme. Ouverture de la zone. Ouais. Voir s'il n'y a pas un autre truc. Des balles. Et donc l'accès. Tu peux par contre s'il était rentré en France. S'il est pas rentré en France. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles. Ça fait très longtemps. Bon du coup je devrais que je sais pas. Quick. Alors du coup, est-ce qu'on peut passer par là? Il y avait une porte. Oui. C'est quoi? Hein? Ça donne des balles en tout? D'accord. C'est un distributeur de bastos. Y'a rien d'autre ici. Ok. Oh bah on avance. Wow. Paf le genou. Trop bizarre les boucliers man. D'habitude on peut tirer dans les pieds. Là on peut pas. Ah je trouve une autre technique. Bah. D'accord. D'accord. Oula, mon perso il bouge tout seul. Waouh. Ne demandez pas ce qui se passe, j'en ai aucune idée. Ça m'a déjà fait ça il y a une heure. C'est bizarre. J'ai un jeton. Alors le jeton. Donc du coup qui sert à ça? Efficacité des pouvoirs, c'est quoi? Une explosion se déclenche et inflige des dégâts. La santé se remplit au max, augmente la durée d'un pouvoir. Ah, c'est plutôt cool ça. Plutôt cool. Dextérité, résistance à l'environnement. Enfin, je suis pas trop fan de résistance à l'environnement. Prenons efficacité des pouvoirs. Hop. Parfait. On a combien de temps de VOD? 1h12. Ouais, on peut continuer encore un peu. Il y avait pas des trucs ici, à part ça? Là, il y avait la caisse de bastos. Non? Bon, on avance. Ouais, je retrouve un drone. Il me donne une amélioration. Marche toujours bien la grenade. Ça m'étonne qu'il n'y a rien ici. C'est verrouillé. Ok, donc c'est ça le terminal Vega. Très bien. C'est un cadeau. Un cadeau. Tenez. Ah, je suis dessus. La force nécessaire pour poursuivre votre route. Si vous supportez le choc initial. Ah mais t'es un robot en fait. D'accord, t'es un robot. Bah allons-y. C'est une cellule argent. Ok. Donc acheminer la puissance vers le sous-système. Donc la santé, l'armure ou les munitions? Bon, les munitions, on va en trouver tout le temps. L'armure, peut-être pas. La santé. Ah, c'est un peu pareil. Ouais, la santé. Et on passe 125. Vous venez de vous prendre une dose argent. Il est stylé. Votre système semble encaissé. Je vais déverrouiller les autres cellules d'énergie du site pour vous. Vega,
Donnez-lui ce qu'il veut. 61 337 membres de l'UAC sont morts. 81% du complexe a été détruit. La présence démoniaque dans l'installation martienne est critique. D'après les archives du Dr. Hayden, l'invasion a débuté dans... J'ai l'heure de laisser, je vais aller faire ma... Ouais, pas de soucis. Bah, des bisous, Victor. 64% des employés de l'UAC en créatures qui errent dans le complexe. Les autres ont été tués par les démons libérés de leur cellule de détention par Olivia Pierce. Permettez-moi de vous présenter mes excuses pour ce qui vient d'arriver. Ah bah moi aussi, dude. Bah hésite pas à repasser, hein. De mes employés ont fait preuve d'un... Hésite pas à repasser, dude. Olivia en est la cause. Et vous devrez régler cela en temps voulu. Nos recherches peuvent vous déplaire, mais sachez ceci. Je le ferai. Vous exploitez les ressources de l'enfer dans l'intérêt de l'humanité. Ce que vous voyez ici est le prix à payer pour cette évolution. Mais cela n'a plus d'importance. Il y a une urgence dans la fonderie. Les régulateurs ont été détruits et la température du cœur est en train de perdre en stabilité. Génial. Ils ont envahi le site voisin. Si les turbines ne sont pas relancées, aucun de nous n'y survivra. Allez, du coup, faut que je m'en aille. Ok, découvrir la cause. Très bien. Et ben, c'est sur ce magnifique download qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode de Doom. Des bisous, YouTube.